vous montre ça parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Voilà, vous l'avez vu, je peux. C'est un cadeau de Chet Atkins pour mon anniversaire. La chemise aussi d'ailleurs. Enfin bon, ça je vais pas l'enlever ça. Et la boucle de ceinture. Je suis désolé de commencer si tard. J'espère que vous ne partirez pas avant la fin du spectacle. Surtout que je suis venu de loin. Je vais commencer donc par le premier morceau. J'ai essayé de commencer par le deuxième, mais j'ai rien réussi. Et ça me rappelle Pierre Pénon, ça. J'étais là. J'attendais. Les bouteilles sont interdites. Merci. Ah, je vois, il y a des gens qui filment là. C'est autorisé, hein. Pas de problème. Ouais, c'est ça, parce que des fois les gens ils se cachent, hein, c'est pas la peine. Je vais donc commencer par mon morceau fétiche. Il y en a parmi vous qui m'ont déjà vu sur scène. Ça va être une grande soirée. Vous m'avez prévenu, il faut venir jouer à Voltero, tu verras. Il y a beaucoup de fans là-bas. Donc ce morceau s'appelle Saturday Night Shuffle, ce qui veut dire en français le shuffle du Saturday Night. Ce n'est qu'un début. You like sugar?
And what time is it? Yeah. Une fois dans un concert, ça m'est arrivé de dire ça, les gens disent ouais. Savoir ça. Bon, on se rapproche de l'Europe. Hein, voilà, donc pour terminer. On s'achemine vers la fin. je devais finir à 11h15. C'est l'heure. Hein. Voici donc le deuxième et dernier morceau. Mais Arnaud Dumont est encore là, donc il n'y a pas de problème. Il fallait que tu fasses payer quand même. C'est un ami, je peux me permettre. On s'en fait de temps en temps comme ça. Le morceau s'appelle, c'est un vieux morceau en fait que j'ai repris de Chet Atkins, qui lui-même l'avait repris de son père. C'est la tradition qui continue. En fait, c'est la musique d'un vieux film d'avant-guerre, de 14. Et le titre original c'est Oh by Jingo, oh by G, you are the only girl for me, that's why I fell in love for you the first time. J'en ai fait une adaptation que j'ai appelée Toi. Ça va le son de la guitare? C'est bon? Il n'y a pas trop de grave? Bon alors tout va bien. Thank you.
Si je vous pose des petits toute la soirée, c'est normal, je reviens de voir Michael Jackson et ça m'a terriblement influencé. Sans parler du... Et franchement, j'y arrive pas. Donc, on n'en reste pas là. Artiste extraordinaire. Vous l'avez déjà vu en concert? Parce que moi je suis allé au concert qu'il donnait à l'Hippodrome de Vincennes, moi non plus je l'ai pas vu. Et j'y étais. Donc je l'ai regardé à la télé l'autre soir sur Canal+, comme tout le monde. Mais il était génial quand même. Arriver à faire venir 80 000 personnes qui l'ont pas vu, c'est quand même génial. Il faut l'aimer, hein. Mais on l'aime. Je suis venu là pour vous jouer de la guitare et vous n'êtes pas sans savoir que ma carrière a toujours été très très orientée vers la pédagogie de la guitare. On fait dans ce qu'on sait. Et entre autres, je suis surtout venu pour vous parler du picking. Parce que le picking, c'est ce qu'il y a de mieux dans le monde quand même. Bon, il y a d'autres choses quand même, mais c'est moins bien. Ça y est, la pédagogie, ça s'appelle du bourrage de crâne. Bon, tout le monde ne sait pas ce que c'est le picking, surtout vous m'avez jamais vu en concert, donc peut-être pas capter les subtilités. Donc je vais essayer très rapidement de rectifier le tir, donc de faire de vous des adeptes du picking et surtout des guitaristes avertis en une soirée. Voilà, alors d'abord, simplement, la règle du picking, c'est quoi? C'est d'essayer de faire tout seul ce que font normalement deux ou trois guitaristes en même temps. Vous me suivez jusque-là? Bon, il n'y a pas de problème, ça a l'air de vous intéresser. Alors, entre autres, on va simplifier, on va prendre deux parties. La partie d'accompagnement de basse, qui fait comme ceci. C'est simple, c'est avec le pouce de la main droite, muni d'un onglet, ou non, mais dans ce cas-là, c'est plus pratique. Pouce de la main droite, j'espère que tout le monde voit bien. Voilà, je pousse un peu le micro parce que c'est très très important. Bon, ça n'a rien de très original, sous cette forme-là, vous avez certainement entendu, c'est ce que fait Utah par exemple. Hein. Avec tous les doigts, bien sûr. Ça a bien à se dire. Oh les méchants, moi qui disais ça pour rigoler. Hein. C'est un copain, donc je peux te permettre. Voilà, donc vous avez compris. Et là-dessus, on rajoute la mélodie. Alors la mélodie, c'est l'index. Je montre bien, surtout pour les caméras. Hein. Qu'on ne se trompe pas, vous pourrez vérifier d'ailleurs en ralentissant l'image. Alors vous prenez n'importe quelle mélodie, on va prendre un truc classique du picking hein, que tout le monde a connu, ça fait comme ceci. Alors surtout les basses sont toujours régulières, hein. Ça c'est ce qu'on appelle l'automatisme du pouce. Avec deux doigts. Alors après, on rajoute les autres parties, évidemment. Vous avez suivi là jusque-là, c'est bon? Très simple? Bon, je crois que c'est pas encore tout à fait clair. Je vais redécomposer, parce qu'en fait, évidemment, on a l'impression que les deux parties sont jouées en même temps, mais c'est là le truc, et je vais vous le révéler ce soir. C'est pas du tout joué en même temps, c'est joué en alternance. Donc pour simplifier, en fait, vous faites pouce pour la basse, index pour la mélodie, pouce, index. Sans arrêt. Là, vous avez la recette complète. Ah, évidemment, on change un petit peu les doigts de la main gauche.
mais c'est pas compliqué, vous appelez pas. En fait, en connaissant quatre accords, on connaît tout. C'est les quatre accords qui ont servi à faire tous les tubes du top 50 et tout. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez ces quatre accords? Vous ne me croyez pas, hein? Si, mais bon, moi, je connais pas tellement ceux d'aujourd'hui, mais prenons n'importe quelle mélodie de mon époque. Regardez. Do, la mineur, fa, sol. Quatre accords, hein. Voilà, pouce index, pouce index. Bon, donc vous avez compris, alors évidemment quand on est guitariste et qu'on chante pas, bon là c'était une exception, il faut quand même sur scène rendre le truc intéressant, spectaculaire pour les gens qui sont venus évidemment. Donc avec ces quatre accords, je vais vous jouer un petit morceau pour vous donner un exemple, toujours pouce index, hein, où on ajoute juste un petit paramètre, c'est-à-dire la vitesse, et ça donne ceci. Ça, on a tout compris. Mais évidemment, on n'en est pas resté là, nous, les guitaristes picking. On s'est dit, tiens, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et entre autres, en parlant de chanteurs, parce que ce sont quand même nos grands concurrents. Pas vraiment. Mais enfin, bon, je pense surtout à des gens qui ont du talent. Et quand je parle de ça, un nom me vient tout de suite à l'esprit, c'est les Beatles. Vous connaissez les Beatles? C'est un groupe français. Ils sont jamais passés ici. Alors on sait jamais, hein. On sait jamais, hein. Tout devient possible. Enfin, vous verrez peut-être pas tout. Mais... Enfin bon. Et un morceau des Beatles que j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'est Lady Madonna. Bon, il en reste plus qu'une. Et c'est pas la meilleure. J'en conviens. Je peux me permettre, c'est une copie. C'est ce qu'on appelle construire, c'est pas grave. Alors donc dans Lady Madonna, ceux qui connaissent le morceau savent qu'il y a un gimmick d'accompagnement qui est un peu plus compliqué que le fameux boom-chick, boom-chick que je vous ai exposé juste avant, et ça faisait comme ceci, toujours avec le pouce, hein. Ça c'est le filet. C'est Eric Clapton qui m'a appris le filet. Ouais, je t'accorde pas. C'est vrai. Il m'a dit, Marcel, tu sais, on s'est rencontrés, on a passé une semaine ensemble en vacances. Il y a quelques années de ça, quand j'habitais au bord de la mer Rouge. Il était encore avec sa femme, Patty. Après, il a divorcé, bon. Non, c'est pas drôle, hein.
Bien sûr, divorcer, c'est pas drôle. Hein. Moi, je me le souhaite pas, en tout cas. Et on était donc dans mon studio. Là-bas, j'avais un petit studio, home studio de matériel amateur. Quoi. Et puis, on passait notre temps à jouer pendant que ma femme allait jouer au tennis avec la sienne. Nous, on jouait de la guitare. Et puis, il me voyait jouer plein de notes et tout. Il dit, non, non, Marcel, you don't have to play that many notes. Je traduis. Non, Marcel, c'est pas la peine de jouer autant de notes. You have to pick one, only one, but the right note. Tu en prends une, mais la bonne. Il faut choisir la bonne, tomber sur la bonne. Tu la prends, mais... Et quand il a plus force dans la main, il sait. Non, mais il m'a tout expliqué. Hein. Non, je vois qu'il y a des gens qui le connaissent et qui savent ce qu'il avait fait. J'ai longtemps hésité entre son talent et sa barbe. Et donc, Donc revenons à Lady Madonna. C'est un morceau qui avait été composé dans la même série que les 10 commandements, les 10 de Nantes, etc. Bon, celle-là, je ne la dirais plus, d'accord. Et là-dessus, bien sûr, quand on n'est pas chanteur, on essaye à la guitare de faire la mélodie, ce qui donne à peu près avec l'index. C'est bien. Je vois qui suit. Et donc, évidemment, vous avez compris, le petit jeu, ça va être en picking de jouer les deux en même temps. Vous voulez refaire la photo, là, avec... C'est monstrueux parce que là moi j'ai dit les deux en même temps et le mec il va dire Marcel Dadi fait le signe de la victoire. C'est n'importe quoi. Je les connais les journalistes. Marcel Dadi est abattu. Donc voici Lady Madonna. Je gagne du temps pour me mettre en. Parce que c'est quand même pas facile. Quoi. Il n'y a que 2 millions de guitaristes qui savent le faire aujourd'hui. Voilà, on y va, 3-4. Vous jouez soit deux notes en même temps, mais c'est le cas de figure le plus difficile, soit une note dans les basses, soit une note dans la mélodie. C'est hyper simple. Ce qu'il faut, c'est savoir à quel moment on les joue. Quoi. Non, mais je veux dire, c'est du par cœur. Quoi. Allez, vous allez devenir les guitaristes, maintenant, c'est fini, ça, le cinéma, alors la frime, tout ça, c'est un truc de scène. Bon, à un moment, vous m'avez vu faire un gizi-gizi par-dessus le manche. Je vais vous expliquer, c'est hyper simple. Et vous pourrez commencer par ça, vous allez voir, c'est ce qu'il y a de plus facile. Si vous êtes un peu guitariste, vous savez que l'accord le plus facile à la guitare, c'est le sol majeur. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que d'un seul doigt pour faire tout un accord, la main gauche. Et là, c'est pouce index. Voilà. Alors évidemment, on peut prendre n'importe quel doigt, ça sonne, kiff kiff. Hein. C'est une question de feeling. Encore une fois, on le trouve partout. Alors moi, je prends le pouce de la main gauche. Pourquoi ? Vous allez me dire le pouce, pas simplement parce que c'est le plus gros feeling. C'est pas la peine de se ménager. Alors dans Lady Madonna, il y a évidemment un sol majeur, je vous le resitue. Voilà. Alors là, je suis en sol majeur. J'ai
plus rien d'autre à faire que de garder mon pouce au bon endroit. Je continue à jouer avec la main droite et là je peux faire ce que je veux. Hein, évidemment, vu de face, c'est monstrueux quoi. C'est de la prime. Revenons aux vraies valeurs. C'est qu'est de la prime, ça, c'est du spectacle. C'est vrai, on peut faire ça aussi. Il n'y a pas un guitariste qui joue comme ça. C'est de la frime, parce que j'y arrive pas. Voilà, alors dernier stade. Pour faire d'une pierre deux coups. Et là, on me répond. Quand je dis dernier stade d'une pierre deux coups, ben voilà, réveillez-vous, Bertin, une pierre deux coups Bertin, évidemment. Allez, réveillez-vous. Non, parce que si je vous explique des trucs compliqués et que vous n'arrivez pas à suivre, je vais passer à autre chose, je vais vous jouer des morceaux. C'est peut-être pour ça que vous êtes là, remarquez trop. Bon, dernière explication. Donc le dernier truc, c'était évidemment... stade ultime, d'arriver à jouer en même temps deux mélodies qui n'ont a priori rien à voir l'une avec l'autre. Il y a deux mélodies complètement différentes. C'est-à-dire partager le cerveau en deux, écouter en stéréo. Voilà. Ça, c'est très très dur. Vous allez voir, c'est pas évident. Alors, les deux mélodies que j'ai choisies, c'est pas moi véritablement, mais enfin, on va faire comme si c'était moi. Non, c'est Chet Atkins qui en a eu l'idée. C'est les deux hymnes américains de l'époque de la guerre de sécession. Vous savez que la guerre de sécession, c'est une guerre qui a opposé le nord au sud des États-Unis actuels, en 1865, je crois. Et ils ont fait la guerre pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, ils se sont dit, tiens, si on faisait la paix. Voilà. Ils ont fait la paix, là j'ai résumé un peu, hein. Et ils se sont trouvés devant le problème donc, du choix de l'hymne national. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir des pays qui se divisent. Et eux, à l'époque, c'était plutôt pour la Réunion. Donc, ils ne pouvaient plus garder deux hymnes nationaux. Alors, il y avait, pour les sudistes, Dixie. Et pour le Nord, Yankee Doodle. Là, j'ai joué entier parce que c'est eux qui ont gagné, donc c'est normal. Et donc, le problème, c'était lequel choisir. Pas question de garder celui du Sud, puisqu'ils avaient perdu. Pas question de garder celui du Nord, parce qu'ils avaient gagné et que c'était moche pour les autres. Donc, ils ont choisi un troisième air. Ils se sont mis d'accord sur un air qui est d'ailleurs resté aujourd'hui l'hymne national américain. Mais évidemment, tout cela aurait pu être réglé en un clin d'œil. Chose à laquelle ils n'avaient pas pensé, c'est de... ils n'avaient pas pensé à garder les deux, finalement, en même temps. Et ça aurait été génial, quoi. Imaginez une fanfare dans le sud, elle aurait pu jouer plus fort l'hymne sudiste, l'inverse dans le nord, bon, pas tout le monde aurait été content. Alors, donc, ça fait Yankee, Doodle, Dixie. Mais si. Si, Dixie, si. Et donc, je vais vous le jouer en stéréo pour que vous suiviez bien le déroulement. Hein, vous connaissez le principe. À gauche, vous écoutez Dixie. C'est pas mon ami. Ça marche là à gauche? Vous entendez vous là à droite? Vous l'entendez maintenant? Alors c'est que c'est pas encore la stéréo. Est-ce qu'on peut corriger la stéréo s'il te plaît? Hein? On peut? On réessaye Dixie à gauche là. Ça marche là? Oui. Vous l'avez pas là? Eh ben voilà, c'est ça la stéréo. Mais rassurez-vous quand même, parce que je vais pas vous. Vous avez compris que je vais vous jouer Yankee Doodle maintenant pour vous. On va voir si ça marche. T'es prêt? Ça marche? Eh ben voilà! Et vous, vous l'avez pas? Alors, le plus difficile, c'est au milieu. Mais on n'a pas le droit de changer de place. Hein. C'est-à-dire, maintenant, c'est tout ça. On y va. Thank you.
Pour redevenir sérieux un petit peu, maintenant on va reprendre le fil normal du concert. Je pense que vous avez tout compris du picking. Bon, s'il y a des petites données supplémentaires, je vous les rajoute au fur et à mesure. Et maintenant, on peut dire que c'est un petit peu les racines du picking, ainsi que vous connaissez tous. C'est le blues. Mais j'ai fait partie de ceux qui croyaient avoir compris ce qu'est le blues pendant des années. J'ai joué du blues, et celui-ci en particulier, sur scène, pensant détenir la vérité, ou au moins, disons, une grande part de la vérité. Et un jour, j'ai rencontré B.B. King, donc on a passé une semaine ensemble. Bah oui, c'est vrai. Vous croyez que c'est pas possible? Mais c'est vrai, je suis relativement intouchable, mais quand même. Non, il m'arrive quand même de rencontrer des gens. Et donc, bon, il m'a supplié longtemps quand même. Et ce bon vieux B.B. King m'a expliqué, il m'a dit, Marcel, tu sais, d'abord le blues, je t'expliquais, faut pas que tu joues autant de notes que ça. Voilà. Un copain. Et non, mais surtout, je lui ai joué ce morceau, il m'a dit, c'est pas du tout ça. Pas du tout comme ça, l'esprit est pas le bon. Il faut que tu y mettes ton âme, il faut que tu saches de quoi il s'agit quand tu joues ce morceau. Et surtout, il faut que tu connaisses l'histoire qu'il y a derrière ce morceau. Parce que chaque blues, et là j'étais vraiment sidéré, m'a dit, on ne compose pas un blues comme ça dans le vide. Un blues, ça a toujours des fondements très précis. En général, ça correspond à une histoire vécue, une histoire vraie. Et donc, il faut connaître cette histoire pour pouvoir exprimer tout ce qu'il y a dans le blues. Et ce morceau, vous connaissez Memphis, la capitale du blues, hein, s'appelle The Memphis Blues. Et moi, quand je l'ai joué, franchement, j'étais sincère, je pensais détenir, encore une fois, la vérité, mais il m'a dit non, je vais t'expliquer. Et il m'a raconté que c'était l'histoire, c'est une histoire sordide un petit peu, hein. C'est un blues, ouais, évidemment. C'est l'histoire de deux hommes qui se disputaient la paternité d'un même enfant. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Memphis Blues. Aussi vous tombez à la renverse. Bon, ça vous a pas plu, très bien. Il y aura moins de feeling, tant pis. Voilà pour vous piquer. Thank you.
commencé, dont Eric Clapton, B.B. King, Chet Atkins, bien sûr, et Merle Travis, dont j'ai déjà joué deux morceaux. Memphis Blues, c'était un arrangement de Merle Travis. Il y a une personne au-dessus de toutes qui m'a énormément apporté, qui a été mon fil conducteur tout au long de ces années, depuis 20 ans de carrière, puisque j'ai fêté cette année ma 20e année de carrière. C'est une personne que je chéris particulièrement, qui m'a beaucoup apporté musicalement, mais aussi dans ma vie quotidienne. Enfin, vous avez deviné de qui il s'agit, il s'agit de Yvette Horner. C'est un amour caché, en fait, je vous le révèle maintenant, parce que les années, il y a prescription au bout de maintenant. Si vous vous souvenez, ceux qui me connaissent en tout cas savent que je suis allé enregistrer il y a très longtemps des disques à Nashville. Pour la première fois, c'était en 75, donc il y a 17 ans. Et à la même époque, Yvette Horner aussi a fait l'enregistrement à Nashville, mais en fait, c'était pour se retrouver. Bon, ça n'a pas été dit dans les journaux, mais vous le saurez maintenant. Enfin, en dehors de toute plaisanterie, j'ai toujours adoré l'accordéon et surtout les possibilités extrêmes de cet instrument. On peut faire des choses magnifiques. Et je me suis toujours dit qu'un jour, quand j'aurai le temps, j'essaierai d'adapter des choses de l'accordéon vers la guitare. Ça doit être fantastique. Et dans ce morceau que j'ai dédié donc à Yvette Horner, j'ai essayé de faire passer un petit peu cet amour, bien sûr, mais aussi le côté spectaculaire de l'accordéon. J'espère que vous reconnaîtrez le passage en question. Et donc pour Yvette, et je l'ai appelé tout simplement « Song for Cathy ». C'était un amour caché quand même. C'est toujours le même « Bunchi Bunchi » Imaginez-vous que, comme je l'ai dit, ça fait 20 ans que je fais ce métier, que je sillonne les routes de France en évitant drôle et roule. Il a fallu que je l'évite pour y arriver que 20 ans après. Enfin,
m'avait pas demandé de venir avant non plus. Si, c'est vrai. Sinon, j'en rêvais. Mais quand est-ce qu'il m'inviteront? Et c'est grâce à Alain Marais, je crois qu'on peut le saluer. Et à toute l'équipe des fervents de l'association, dont vous avez peut-être entendu parler, une association qui rassemble le maximum de guitaristes possible pour essayer de construire des événements comme celui-ci, cette semaine de la guitare qui était vraiment une chose très sympathique, qui a demandé beaucoup d'efforts. Et il faut les en remercier. Donc pendant ces 20 ans, vous imaginez une carrière, c'est toujours en dents de scie, hein, c'est pas en dents de scie, vraiment c'est plutôt sinusoïdal, il y a des courbes, des creux, etc. Et puis comme tous les artistes, eh ben, j'ai connu le passage à vide, quoi, la fameuse traversée du désert. Et moi, c'était pas seulement une idée, je suis carrément allé vivre dans le désert, au bord de la mer Rouge. Mais c'était une bonne chose, parce que là-bas, j'ai rencontré énormément de gens qui avaient la même idée que moi. Le désert, c'est quelque chose de final pour se recueillir. Et j'en ai profité, j'ai vécu là-bas pendant 5 ans, et à Eilat, exactement, au bord de la mer Rouge. Et c'est magnifique, Eilat. Et j'en ai profité donc pour beaucoup travailler, essayer de me remettre en question, parce que les gens disaient, bon, boum tchik, boum tchik, boum tchik, ça commence à bien faire. Il faudrait que tu cherches quelque chose de nouveau. Et j'ai donc cherché pendant 5 ans, et j'ai trouvé un truc complètement révolutionnaire, qui fait, au lieu de boum chic boum chic, et je serais pas parti 5 ans là-bas pour trouver ça, hein? J'aurais mis un mortier rouge, vous demandez, hein? Non mais chic boum, de quoi je rêve? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous imaginez. En fait, ça fait boum, là on n'a rien changé, chic, c'est toujours pareil, et c'est là le grand changement. C'est qu'au lieu de faire boum, on fait boum boum. Hein? Et donc il y avait le boum 1, il y a le boum 2 maintenant. Eh oui. Eh oui. Enfin bon, finalement, c'était vraiment, j'ai mis en plein dans le mille, quoi, dans le but. Boum boum. C'est pas grave. Et après, ça refait tchik. Mais alors, la grande nouveauté, c'est que le tchik, c'est une percussion. C'est plus du tout jouer avec le pouce ni avec l'index. C'est en plus. Alors, donc, voilà, ça fait à peu près ça. Pour vous matérialiser la chose, ce sera plus simple. Fait comme ceci. Pouce. Boum. Boum, boum. Ça, c'est la basse et l'accompagnement. J'ai travaillé ça pendant 5 ans. Et là, j'ai failli divorcer, vraiment. Enfin, comme on s'aimait, ma femme et moi, il n'y a pas eu de problème. On a traversé le désert ensemble, et on est sorti indemne. Voilà. Et bien sûr, là-dessus, on rajoute la mélodie. Et comme tous les doigts sont déjà occupés, eh ben, on fait appel à la troisième main, qui va être en option sur cette guitare uniquement. Comme ceci. Voilà. Troisième main. Et le premier morceau que j'ai composé dans ce style, dans ce nouveau style, donc, je l'ai appelé « Je te veux ». Non, je dis « à que » parce qu'en fait, quand je l'ai composé, j'ai beaucoup pensé à Johnny et je me disais que j'aimerais bien qu'il chante ce morceau un jour. Et j'ai été même lui proposer, il voulait l'appeler « à que je te veux », mais bon, c'est... S'il la chante, il l'appellera comme il veut. Thank you.
Il y a d'autres choses aussi qui m'ont toujours fasciné, et entre autres, voilà, du côté des États-Unis où je passe pas mal de temps quand même. Un instrument, vous savez que j'enregistre beaucoup à Nashville, que je me balade beaucoup du côté de Nashville. J'ai perdu mon... Dans la poche. À la poche de la chemise. Ah, il y en a qui suivent. Hein. Génial. Formidable. D'habitude, j'ai pas de poche dans mes chemises, et tant pis. J'aurais pu passer des heures à chercher, hein, parce que je pense pas à la poche de la chemise. C'est la faute à Tchèque, alors. C'est la faute de Tchèque. Je lui avais dit, ne m'offre pas une chemise, et il a insisté. Ce Tchèque, alors. Mais je l'aime quand même. Vous savez que j'ai une vénération pour lui, c'est connu. Je parle plus de lui, je crois, que de moi, ce qui est difficile. C'est un amour quasiment filial. Un amour caché. Un amour caché. Avec Chet, mais non. Mais non, non, c'est comme un père et son fils, quoi. Enfin, c'est lui mon père, quoi. Mais ça va très très loin, parce que... Bon, je vais vous le montrer à vous, parce que on est entre amis, mais... Il est toujours avec moi. Ah, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre, quoi. Je l'adore, tout simplement. Enfin, je lui dois tout, de toute façon. Vous pourrez lui envoyer une copie de la vidéo, s'il vous plaît. J'aime beaucoup Chet. Et d'ailleurs, à tel point que ça m'a beaucoup travaillé pendant une époque, je me suis dit, mais comment ça se fait que toi, petit guitariste qui est né en Afrique du Nord, en Tunisie exactement, un jour tu aies pu d'abord découvrir ce style, l'église de Chet Atkins, en France, dans un pays qui n'était pas du tout branché là-dessus. Il faut dire qu'à l'époque où j'ai commencé à travailler Chet Atkins, c'était vraiment inconnu, moi. Et pour cause, je ne trouvais pas ses disques. Et comment, en plus, tu as pu arriver à le rencontrer, à devenir son copain, qu'il considère comme son fils? Enfin bon, c'est une histoire merveilleuse. Je ne vais pas vous la raconter, mais c'est, pour moi, je l'ai vécu de façon fantastique. Ma femme pourrait vous en parler. Et il est entre nous, tout le temps. C'est l'homme invisible. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter. Elle est très bonne. Tout à l'heure, après le concert. Parce que sur scène, ça ne se fait pas. Et je me suis posé la question, comment il doit y avoir une relation, vous savez, dans les astres, dans quelque chose, il y a quelque chose qui doit être écrit. Alors j'ai commencé à chercher le nombre de lettres. Alors déjà, Marcel Dadi, il y a 10 lettres, et Chet Atkins aussi. J'étais sur la bonne voie. Non mais c'est vrai, ça peut pas être une coïncidence, quoi. Ça peut pas être une coïncidence. Alors j'ai cherché un autre point. Bon, évidemment, on joue la guitare tous les deux. Mais bon, ça c'était pas sérieux, quoi. Non mais... j'ai regardé ma date de naissance, évidemment, quand on s'intéresse aux chiffres et tout ça. Moi je suis né en 51. 5 et 1, 6. Lui, il est né en 24. Ah là, vous commencez déjà à rigoler beaucoup moins. Hein, ça devient sérieux. Mais alors, le point le plus marquant, je crois, et il y en a d'autres, hein, je ne veux pas tout vous les dire, mais le plus marquant, c'est que je suis né en Tunisie. Et lui, il est né dans le Tennessee. C'est monstrueux, quand même. C'est les mêmes gros sols et tout. C'est... On a tous quelque chose de Tunisie. Vous imaginez Johnny Hallyday chanter ça? C'est l'enfer. C'est monstrueux. Et je me suis intéressé au picking. Et bon, moi je suis né en Afrique du Nord, en Tunisie. Et un peu plus, à quelques centaines de kilomètres près, j'aurais pu naître au Caire. Donc si j'étais né au Caire, vous avez compris, j'aurais pas joué du country. Bon, laissez tomber. Bon. Voilà, mon amour pour Chet, c'est ça. Et je vais vous lire donc un truc très inspiré d'un autre instrument très populaire aux États-Unis, c'est le banjo. Vous connaissez le banjo? Banjo à 5 cordes. Un instrument typiquement américain. D'ailleurs, en fait, le 5 cordes, vous savez, il n'y a pas vraiment 5 cordes, il y a 4 cordes.
Et au milieu, ici, il y a, en haut du manche, il y a une petite corde, en fait, une demi-corde avec une clé ici. C'est un instrument très spécial qui a une sonorité extraordinaire, mais en plus, on peut faire des choses fantastiques avec. Et je me suis dit aussi, tiens, pourquoi t'es attiré par le banjo? En fait, donc il a 4 cordes et demie, et je me suis dit, pourquoi? Et j'ai trouvé, c'est parce que ça a le même nombre de cordes que sur la guitare. Voilà. Pierre Pénaud vous disait qu'il n'y aurait pas de discorde entre nous avec... Voilà, si cordialement, etc. Mais là, ça va plus loin. Le banjo et la guitare, ça a le même nombre de cordes. Alors là, je fais appel au guitariste parce que les autres ne peuvent pas comprendre. Donc je vais vous expliquer. La guitare, ça s'accorde comment? Mi, la, ré, sol, si, mi. Donc aux extrémités, vous avez mi. Mi, si, mi. Donc vous avez deux mi. Avec les 4 cordes au milieu, ça fait 4 cordes et deux mi. Et voilà! Non mais vous savez, les gens ils croient que je suis pas content à travailler, mais pas du tout. Quand je m'ennuie, je fais des trucs comme ça. Voilà, et le morceau s'appelle Kiki et Jerry's Breakdown. C'est un peu dans le style, vous savez, le banjo américain, vous avez tous vu le film Deliverance. Ouais. Vous connaissez pas ce film? Non. Mesdames, vous avez pas vu Deliverance? Alors le voilà. Sur scène, j'ai tendance à oublier le temps qui passe. Une fois, il m'est arrivé de rester 8 heures. C'est vrai. C'était en Amérique, d'ailleurs. C'est la même bouteille qui tourne. Là, c'est parce que j'ai... C'est là à droite un petit peu. Faut qu'il y ait une concentration. Voilà. Alors maintenant, un autre morceau que j'ai composé dans ce nouveau style.
suite après Je te veux. Un morceau que j'ai écrit, j'ai appelé Je crie vers toi. N'oubliez pas que j'étais dans le désert et que ça appelle à la méditation et à ce genre de supplique. Alors, c'est le même principe, mais avec l'accompagnement en plus, quoi. Plaisir de vous voir quand même, hein. Non, mais comme c'est arrivé d'un seul coup comme ça, heureusement que c'était à la fin du morceau finalement. Au milieu, j'aurais pas compris. Mmh.
a-t-il des morceaux que vous aimeriez entendre? Samba, samba, le derviche, la marseillaise, samba, le balagan, Sonia, Sonia, oui, les côtes de sable, vous avez que les vieux disques, quoi, hein. Si j'ai bien compris. Oui. Like Father and Son. Oui. Mais comme on a très peu de temps, je vais vous les jouer tous en même temps. Non, je vais vous jouer un morceau plus récent. On m'a demandé à gauche, là. Allez, je sais que j'abuse de votre patience, mais j'ai besoin de me réaccorder un petit peu. Ça va prendre 3 secondes. Parce que je suis né dans un pays où on s'accorde facilement. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. D'ailleurs, le nom lui-même, c'est Tune Easy. Bon, laissez tomber. C'est un nom très chargé de poésie et on peut faire énormément de choses avec. Et seulement avec le nom, quoi. Le pays, pas vraiment. Mais c'est un copain. Alors là, j'ai acheté une petite machine, là, récemment. Un accordeur électronique. C'est comme j'entends plus très très bien. Ça m'aide à savoir quand c'est juste, il y a un petit voyant là qui dit c'est quand c'est bien accordé. Seule chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est que je vois plus très bien non plus. Composé il y a quelques années. C'est juste à la naissance de ma fille. Ça m'inspire beaucoup à chaque fois que j'ai un enfant, je compose un morceau. Mais ma femme, on a 3 enfants, elle ne veut rien savoir. J'ai appelé ce morceau, je l'ai composé à la clinique, vous savez, il y a des papas qui arpentent le couloir en fumant une cigarette. Moi je préfère amener ma guitare et m'asseoir dans un coin et composer. Et j'ai composé ce morceau que j'ai appelé « Merci pour Marianne ». Marianne, c'est le nom de ma petite fille. Et je le dédie à sa maman, qui est là d'ailleurs, c'est elle qui l'a demandé. Thank you.
je vous aime. Ce sont des larmes de bonheur. À cette heure-ci. Formidable d'être de bonheur à cette heure-ci. Voilà, un autre morceau peut-être. Les scénaristes. Les scénaristes, à la demande de la copine de ma femme. Vous ne saviez pas pourquoi vous étiez nombreux. C'est parce qu'on est tous venus de Paris. Voilà. Je vais essayer de m'en souvenir. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des morceaux que j'ai joués au début, nous trois. Ça commençait par un accord de... la bémol mineur avec une neuvième écrasée. Et la neuvième, elle est là. C'est elle qui est écrasée. Et en fait, quand j'ai composé ce morceau, hein, ça faisait... C'est marrant, je me suis dit, c'est un accord vraiment qui est extraordinaire, parce que... sans bouger du coup les doigts de la main gauche, il y a une mélodie qui se dégage et tout. Je me suis dit, quand j'ai composé ce morceau, tiens, je vais essayer à côté. Et au lieu d'un La mineur bémol, ça donnait un accord de Sol avec une neuvième. C'était plus tout l'un, c'est-à-dire qu'on passait d'un accord mineur majeur simplement parce qu'on avait décalé d'une case. Et celui-là il sonne majeur, et celui-là il sonnait mineur. Les miracles de la musique. Moi j'ai jamais appris la musique dans les livres, hein. Donc je découvre sur le manche de ma guitare. Et j'ai trouvé cet accord et je me suis dit, tiens, bon, on va essayer de composer un truc. Et ça a donné les scénaristes et la musique d'un... qui est venue la musique d'un film avec Jean-Claude Darras et Bernard Allaire, qui est passé sur Antenne 2. 8 fois.
comme un intermède, et après je reviendrai. Je vous ai parlé de l'association qu'on a créée nationalement. On va essayer de faire un maximum de choses autour de la guitare. Cette semaine, ici à Porterroule, on est la démonstration vivante. Et on a aussi une réunion annuelle qui a lieu à Issoudun. Vous voyez, on ne fait pas du tout de parisianisme. Donc Issoudun, au centre de la France. Et la prochaine réunion a lieu le dernier week-end d'octobre. Donc le 30, 31 octobre et 1er novembre, à l'occasion du week-end du 1er novembre. Et là, on va se réunir à plusieurs centaines de guitaristes, c'est-à-dire imaginez tous les gens qui sont là ce soir, mais avec une guitare dans la main. Ça fait quelque chose de drôle, et vous avez pu voir des photos dans le hall d'ailleurs de la dernière réunion, où on a battu le record de France du nombre de guitaristes qui jouent en même temps le même morceau. C'est très sympa. Plus, évidemment, une pléiade d'artistes américains, anglais, norvégiens, allemands, belges, italiens, espagnols, qui viennent se joindre à nous et qui font des concerts phénoménaux. Il y avait aussi un salon de la guitare, un petit peu dans l'esprit de ce qu'on avait, mais sur 3000 mètres carrés, truc gigantesque. Enfin, la plus grande réunion de guitaristes, je crois qu'on peut dire en Europe et peut-être dans le monde. Et il faut que vous compreniez qu'il y a une ambiance phénoménale dans cette association, et il y a surtout des guitaristes d'un talent fou. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui vivaient dans leur coin, tout seuls, qui travaillaient les morceaux sur les tablatures ou sur les disques de guitaristes plus méritants. Et un jour, quand on a créé cette association, tous ces gens-là sont sortis un petit peu de leur trou et sont venus nous rejoindre, et on a découvert des talents inestimables. Et moi, je voudrais vous en faire découvrir ce soir quelques-uns. Et je vais demander par exemple à Antoine de venir vous jouer un petit morceau pour que vous compreniez jusqu'où ça va. Est-ce que Antoine est là ? Antoine. Voilà. Et Antoine, il va vous jouer un morceau. Et je crois que quand vous allez l'entendre, vous n'allez plus vouloir que je revienne. On va quand même essayer de vous dominer et rappelez-moi.
Une activité guitare ici même avec ces gens-là qui sont prêts à vous faire bénéficier de leur enseignement et en fait de vous transmettre tout ce qu'ils savent. Donc renseignez-vous sur l'activité guitare du coin, encore une fois, dans le cadre de l'association et de tout ce qui peut se passer autour. Et maintenant je vais appeler un autre guitariste très méritant, plein de talent, qui s'appelle Philippe. Philippe, es-tu là ? Je suis là. Vas-y Philippe. Vous avez de la chance, hein. T'as pas mis tes guitares? Thank you.
C'est un morceau de notre ami, notre père à tous. Et maintenant, un autre guitariste, plein de talent, s'appelle Loïc. Loïc, es-tu là ? En route. C'est pas prévu que les appels, c'est pour ça qu'ils sont pris au dépourvu. T'as ta guitare dans un coin ? Ah ouais, c'était pas prévu du tout, elle était sur scène. Il casse tous mes effets. Ouais, c'est pour décorer, ouais. T'en as une bien belle signature, ouais. Non. Tu veux jouer là ? Tu te branches pas ? Tu vas te brancher. Toi, tu joues tout seul, là. Attention, je débranche. Attention, je rebranche. Et il va nous interpréter Robert the President. Ça, c'est, il est gentil parce qu'il veut nous faire plaisir et faire plaisir en même temps au président de l'association qui s'appelle Robert. C'est un morceau que j'avais composé pour Robert. J'ai appelé Robert le président. Formidable la relation entre les choses. Alors c'est la même technique, lui il est très au fait des choses. C'est-à-dire que non seulement il a suivi tout ce que j'ai fait pendant 20 ans, mais là il a tendance à me dépasser maintenant. Heureusement il connaît encore les morceaux des disques qui viennent de sortir, mais très bientôt il va me présenter ce que je vais enregistrer. Quoi. Alors la sortie. Vas-y, décontracte-toi, parce que là je vais vous dire le vibrato, va y aller là. Le roi du trémolo. Alors, même technique, boum tchik, boum tchik, avec les percussions, le truc et tout. Voilà. Dedans. Il est français par le français.
Qu'est-ce qu'il nous joue? Un petit blues. Un petit blues en mi, avec le feeling, hein, parce que il a rencontré du beat. Hein, aussi. Des pieds, l'équilibre. Et ma femme, par exemple, qui est au courant de tout, elle m'achète les boots de Nashville par trois, surtout la gauche. Vous voyez ? Des tacamines qui viennent de rigoler. Ah, il y a quelqu'un qui m'a demandé le Derwish Turner tout à l'heure, au début du concert, vers 9h05, 10. Alors j'espère qu'il est encore là, je vais lui jouer. Alors le Derwish Turner, c'est un petit peu un morceau fétiche pour moi, parce que je l'ai composé quand je donnais des cours au centre américain au début des années 70. Et j'ai expliqué en fait à mes élèves comment on compose un morceau. Et j'ai toujours été étonné du succès de ce morceau parce que pour moi ça représentait qu'un exercice quoi finalement. Et pour l'anecdote, quand je l'ai enregistré pour la première fois, dans mon premier disque, qui d'ailleurs va ressortir en CD, je vous dis, ce mois-ci. Il y aura deux CD qui vont sortir, les anciens disques.
avec une pochette de Gottlieb et tout. Ça, c'est pas pour vous pousser à l'acheter, mais... Enfin, surtout ceux qui ne l'avaient pas, quoi. Et quand j'ai enregistré, il y avait mon ami Hervé Cristiani qui était avec moi au studio, parce que c'est grâce à lui que j'ai fait mon premier disque. Il m'avait présenté à son producteur et tout. Et c'est lui qui avait eu l'idée de... parce qu'il savait que j'avais composé au cours, de le présenter dans le disque comme un morceau qui commence très lentement, donc, pour montrer la progression d'un élève qui accélère. C'est là qu'est venue l'idée de jouer ce morceau très lentement et de plus en plus vite. Et c'est là qu'est venue aussi l'idée du titre, donc le derviche tourneur, donc cette image des gens qui tournent de plus en plus vite sur eux-mêmes. Voilà, ça pour restituer à César ce qui lui appartient. Voilà, mais je me souviens aussi, quand j'enseignais ce morceau, j'ai souvent eu affaire à des débutants, mais vraiment des grands débutants, et c'est un morceau très facile finalement. Donc je l'utilisais pour les débutants, et je leur disais, bon, la première chose, c'est en Do majeur, donc on va apprendre la position de Do majeur. Alors ils faisaient ça, je leur montrais, ils mettaient les doigts comme ceci, et vous égrenez les six cordes de la guitare. Bon, évidemment, il se plantait régulièrement. Hein. C'est normal, quand on égrène, on se plante. C'est pas la note Eric, ça. Voilà. Alors bon, l'élève, évidemment, qui essayait le Do majeur, ça donnait... Voilà, monsieur, j'y arrive, je crois. Mais... Il y a un morceau en Do majeur, ils ont un morceau en Do majeur, si vous voulez. Bon, d'accord. Je peux l'arrêter. Mais ça allait très rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de quelques cours, évidemment, tout ça, ça allait très bien. Et on commençait donc l'étude du derviche tourneur, et c'était simplement la position de Do majeur, Do, Fa, Sol, trois accords. Et on fait, avec l'index, toujours un, comme ceci. Pas difficile, hein, les basses. Et comme c'était l'accord de Do, on fait dans l'ordre ce qui vient sous les doigts. Ensuite, on fait en Fa la même chose, mais dans l'ordre inverse, pour que ce soit original. Après, on passe en Sol et on revient dans le premier ordre. Et après, en Do, dans le deuxième ordre. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. À parler en même temps. Bon, vous y arriverez pas, c'est pas grave. Évidemment, ça pouvait pas rester comme ça. Alors quand je l'ai composé, j'ai expliqué aux élèves, maintenant que vous avez la trame du truc, vous essayez de faire des fioritures, évidemment. Donc en Do, on reste comme on est. Et quand on est en Fa, et ben on va lâcher l'accord. Ensuite, chose avec la main droite, mais avec la main gauche, on a lâché la corde et ça fait ce qu'on appelle des pull-off. Alors, c'est très facile. Même chose en Sol, dans l'autre sens. Et c'est comme ça que j'ai composé le derviche tourneur. Donc vous auriez tous pu faire la même chose. Alors, pour pas sombrer dans l'ennui, il fallait trouver un pont. Il y a un autre morceau qu'on m'avait demandé, je me souviens plus. Black Mountain Rike.
Black Mountain Ride. Oui. Alors là, c'est un peu spécial, Black Mountain Ride, parce que c'est un morceau que j'ai ramené d'un voyage en Inde que je suis allé faire à l'invitation de George Harrison. Et vous savez, il était en plein dans son trip hindou, gourou, etc. Il se cherchait beaucoup à une certaine époque, on en a beaucoup parlé dans les journaux. C'est l'époque à laquelle on s'est rencontrés. Et on est partis tous les trois avec un autre copain, c'est John McLaughlin. Et très bon copain, John, on se voit assez souvent. Bon, lui, il est hyper rapide, hein. On joue pas le même style, donc on se fait pas concurrence, si vous voulez. Mais bon, lui aussi, il était dans ce trip un petit peu, moi pas du tout. Hein. Mais par curiosité, il m'a dit, mais viens, Marcel, viens, tu vas voir, c'est vachement intéressant et tout. Bon. Et donc, je suis parti à l'époque où c'était pas mal à traverser du désert, si vous voulez, j'avais rien d'autre à faire, donc j'y suis allé. Et ils m'ont amené devant ce gourou, c'était un type vraiment imposant, qui était avec les gens, bon, vous imaginez, comme ça, position extatique. Il avait un instrument qui s'appelle un sitar, une espèce d'instrument, hein, qui a un grand manche, plein de clés partout. Et il jouait, et il touchait les clés, il n'arrêtait pas de désaccorder son instrument pendant, ça a duré des heures. Évidemment, George, je me disais, restez tranquille pour voir, il me disait, mais attends, tu vas voir. Et à la fin, donc il a atteigné ce qu'on appelle le nirvana. Et là, sur un instrument complètement désaccordé pendant des heures, il jouait un morceau qui était de toute beauté. Donc en fait, la montée, si vous voulez, de l'extase permettait justement d'atteindre l'accord parfait, qui permettait la création ultime. Et ça donnait un morceau génial. Alors bon, je vais essayer de vous reproduire ça maintenant, ce soir. Et donc je vais faire la même chose, je vous demande un peu de calme, s'il vous plaît, parce que c'est... Non, c'est vrai, sérieusement, ça demande beaucoup de concentration. Je veux dire, bon, je vais vous le pas faire plusieurs heures, rassurez-vous, ça va aller plus vite. Tenez la bouteille, merci. J'espère que c'est une bouteille de Pepsi Cola. Hein. Parmi vous qui ont fermé les yeux. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour capter les vibrations. Fermez les yeux, je recommence. Vous allez dormir. Bon, enfin, donc le but du truc, c'est que quand on a désaccordé l'instrument comme ça au hasard, on arrive à un accord parfait. Alors si on est vraiment en osmose totale avec la divinité, on arrive à un accord parfait majeur. Vous vous rappelez, dans les petits Madonna, il fallait un doigt, là il n'en faut plus du tout. C'est l'extase, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est merveilleux. C'est... Je vais fignoler l'extase si vous voulez. Qu'il avait ramené pour la première fois en Europe. C'est un morceau qu'on peut commencer avec une seule. Et le titre en Corse, c'est Black Mountain Ride. Ce guitariste corse, en faisant des recherches, j'ai trouvé que le premier morceau qui avait été composé avec cette technique, ça faisait comme ça. Là, je suis allé jusqu'à la source, si vous voulez.
un morceau excessivement dur et je tiens à préciser parce que moi je m'en rends pas compte quand je joue, mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a des passages plus difficiles où on tire la langue un petit peu. Vous avez jamais remarqué ça? Certainement chez vous, quand vous vous appliquez à faire un truc un peu compliqué, tout ça. Et de la précision, tout, la langue ça aide beaucoup. Ça c'est un truc qui m'a un peu étonné. Et puis comme j'ai fait des études de kinésithérapie. Non mais je t'ai payé pour. J'ai fait des recherches dans les planches anatomiques et en fait j'ai trouvé la réponse à ce problème, c'est qu'en fait c'est le même muscle là. Et quand vous tirez la langue, ça permet de verrouiller là, beaucoup mieux. Là. Non c'est vrai, hein, vous ne croyez pas, mais en fait j'ai poussé mes recherches et j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres manifestations de ça. Et en fait j'ai lu justement avec Soudain l'année dernière, à la rencontre de guitariste, il y avait des Italiens. Et c'est grâce à eux que j'ai compris que c'était une vérité pleine et entière. Parce que quand ils parlent, ils ont la langue qui va des deux côtés, selon la main qui bouge. Donc ça parle à l'air de vous. Ça, mais je vous amènerai d'autres preuves. Hein. Moi, je vais profiter de cet accord extraordinaire, le sol majeur. Ça s'appelle l'open tuning, hein, la technique. Pas comprendre avec le pen tuning, hein, ça n'a aucun rapport. Il y a un autre morceau que j'ai composé dans cet accord ouvert. Un morceau que j'ai composé pour ma femme, ne voyez aucune relation avec le bon accord ouvert. À l'époque, elle n'était pas encore ma femme, et on se fréquentait en tout bien tout honneur, on était tout juste fiancés. Et je me souviens, on était chez ses parents. C'est un mariage d'amour, hein, donc on s'est mariés très très vite. Donc on était chez ses parents à Neuilly. C'est pas parce que c'est une riche héritière que je ne veux pas l'aimer. Hein. Et on était dans le salon, je me souviens, et c'est une scène très romantique. Elle avait sa tête sur mon épaule et moi j'avais la guitare et je cherchais l'inspiration, qui n'est pas difficile parce que c'est venu très rapidement. Très très romantique, et je me souviens que sa mère était dans la cuisine et nous préparait une choucroute. Donc j'ai appelé le morceau choucroute romantique. Je vous ai dit, il y a toujours une logique irrépressible.
morceau, enfin, un medley. Tu sais ce que c'est un medley? C'est un pot pourri. C'est le cas d'ailleurs. De trois morceaux que j'avais enregistrés dans mon premier disque, qui ressort bientôt. Alors le premier morceau s'appelle Marcel Drag, que j'avais dédié déjà à l'époque à Marcel Gottlieb, qui fait l'illustration de la pochette. Le deuxième c'est Egged Bus Rag, et le troisième c'est Old Black Piano Rag. Et pour ceux d'entre vous qui sont forts en mathématiques, vous pouvez mettre rag en facteur. Doc. Et je m'en souviens plus. Un petit doc. Un petit doc. Ouais. Un medley sur doc. Hein? Un medley sur doc. Sans fourchette. Oh, mais je m'en souviens plus tout ça. Il passe beaucoup moins souvent.
sa faute. Il n'a pas voulu qu'on passe. Il y a un autre morceau. Ouais, ça c'est des petits, mais bon, vous les avez sur les disques, hein, ceux-là. Enfin, c'est pour votre bien, je dis ça. S'il y a les tablatures, vous pouvez travailler, tout. Ça, vous ne les demanderez plus. Vous les jouerez vous-même. C'est quand même mieux. L'écho des savates. Allez, on termine là-dessus. J'avais fait un nouvel arrangement que j'ai enregistré à Nashville, un petit peu rock, et c'était très inspiré par la venue d'Eric Clapton. C'est lui qui m'avait proposé un petit peu l'intro comme ça. Dans le disque et après ça partait, en fait c'est un peu plus rapide dans le disque, et vous savez. Faites un peu de bruit là. Allez, vous allez voir. Vous allez y être avec moi. Ça marche! Des bouteilles si vous voulez, ça servira au moins. Voilà, on y est. Vous pouvez fermer les yeux. Thank you.
Bernal. La Marseillaise, allez, tiens. Ouais. Ouais, parce qu'on était à la recherche d'un hymne pour l'association, et j'étais chez Robert, le président, à Mérignac, à côté de Bordeaux, et puis j'ai composé ce morceau en plaisantant comme ça. Et tiens, aujourd'hui, j'ai composé un morceau, ce sera l'hymne de l'association. Et ça a commencé comme ça, et je me souviens même que je l'avais composé en chantant, j'ai dit, tiens, je vais chanter ça. Fait. When I look through the windows of your eyes. J'avais sorti ça comme ça. Et ça avait donné le début du morceau, qui est devenu donc, à son idée, la Marseillaise, parce que ça devait être l'hymne de l'association. C'était un nom prédestiné, quand même. Encore à vous, merci.